Tema, qui c'est Executive Manager Profit Development Consulting, que l'a dirigé, et son film qui co-organisateur Sommet International Finance dans Diaspora qui a déroulé dans Miami, n'a parlé de groupe Croissance. Ingénieur Jean-Marie Altema, c'est avec plaisir que nous gagnons sauver au Acréole. Plaisir pour moi, Jacqueline. M'absalue tout le monde qui a côté nous matin. Et qui sont capables de présenter pour nous Sommet International, ça qui pourra le dérouler dans Miami dans semaine-là? Sommet a fait le cadre 30e anniversaire groupe Croissance, qui c'est une organisation qui travaille en Haïti, surtout dans le domaine finance avec économie. Donc on est Christian Farrell qui a dirigé groupe Croissance et il y a des émissions dans des radios et qui fait un pile d'intervention sous question budget en Haïti. Donc c'est un sommet qui est toujours fait en Haïti, mais pour 30 ans groupe Croissance et ensemble avec Profit Development Consulting, nous avons décidé d'accompagner, souvler groupe Croissance pour que nous gagnions un sommet à Miami. 6 et 7 avril qui a venu là. Donc, nous associons tout avec de Law Offices of Fund Le Julien, qui sont avocats qui sont dans la communauté haïtienne, qui est basée à Miami, pour que nous discutions autour du financement de l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet a venu dans un contexte très particulier, parce que nous connaissons une situation de crise que Haïti a traversée, crise politique, crise économique, etc. Mais il faut aussi penser l'après-crise. Donc, c'est l'objectif, ça, que nous réunissons des acteurs d'Haïti et de la diaspora pour venir discuter autour de stratégies qui permettent que nous mieux préparer et développer un agenda pour financement économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet ça, il réunit, j'en dis, à des acteurs d'Haïti, de monde qui travaille dans des projets en Haïti. Ça veut dire, c'est pas un sommet côté que nous allons parler de finances, nous allons parler de seulement qui gens Haïti capable relever le souffle de crise, mais nous a présenté, nous avons venu, il y a un pile intervenant qui a sorti Haïti, malgré la situation, et nous avons remercié surtout pour l'effort que vous faites, qui a venu, bien c'est des monde qui ont des projets qui ont exécuté en Haïti. Donc, son conférence, son sommet plutôt, qui pourra réunir des acteurs de l'État, des acteurs de la société civile et aussi particulièrement des acteurs du secteur privé pour nous capables de jeter un pont entre Haïti et sa diaspora, pour capable permettre que nous développions des approches innovantes en termes de relations pour créer ou encore pour assurer le développement économique d'Haïti. Monsieur Altema, tout à l'heure, se dit, au lieu de conférence, c'est sommet. Pourquoi ça nous parle et conférence, par exemple, pourquoi ça nous parle le sommet? Parce qu'en général, depuis nous dit sommet, nous avons résolution, nous avons gros décision. Parlez-nous, pourquoi ça nous choisit sommet international finance là? Très bien. Bon, au sommet, pas un espace de décision. Ça veut dire que c'est pas le Parlement, c'est pas le gouvernement qui réunit, qui dit, bon, mais il y a fait sommet, il y a pris des décisions autour de un sujet et quelconque. Un sommet, c'est un espace stratégique. Et c'est ça, nous voulons qu'il y ait un espace stratégique qui menait des acteurs stratégiques qui ont même pris des décisions autour de thématiques qui vont développer. Donc, nous venons avec des acteurs, nous c'est pour, je nous dis, hein, qui permettent que acteurs, sauf les parties prenantes qui ont un rapport avec le développement économique, viennent chita ensemble pour garder qui gens à partir de approche innovante que nous parlions, diaspora capable d'impliquer à partir des investissements directs dans le développement économique d'Haïti. Donc, nous menons acteurs, nous disons acteurs, et par exemple, des acteurs qui sont dans le secteur santé, des acteurs qui sont dans le secteur agriculture, des acteurs qui sont dans le secteur éducation et d'autres, qu'on est pour nous venir discuter avec des acteurs de la diaspora pour garder qui sont stratégiquement capables de gagner, je nous dis, des approches innovantes pour permettre que nous ayons un développement économique en Haïti. Donc, qui sont nous fait lire, et c'est d'abord acteurs qui, je nous dis, qui ont développé des projets, acteurs qui travaillent en Haïti, qui prennent des initiatives, que ce soit dans le domaine éducation, que ce soit dans le domaine santé et autres. Et par exemple, nous avons l'hôpital Notre-Dame qui a venu, qui sont initiatives haïtiennes. Nous avons, par exemple, dans le domaine éducation, Fondation Digicel qui a intervenu. Nous avons, par exemple, le projet de l'Université Notre-Dame sous MBA. Donc, qui pourra le présenter, il pourra regarder qu'on y a avec diaspora, des associations que nous invitons, de professionnels dans le secteur ça que nous invitons, qu'on y a pour regarder stratégiquement qui gens sont capables
collaborer ensemble pour permettre que nous créer valeur et faire impact en Haïti. Donc c'est pas au sommet finance côté que et gagner de monde seulement qui vient parler de finance. Non, mais c'est vraiment des acteurs qui ont des projets qui ont développé et en Haïti et dans la diaspora. Donc voilà, c'est un sommet, c'est une plateforme stratégique qui mène des acteurs stratégiques qui peuvent travailler ensemble pour qu'ils soient capables de prendre des décisions. Et nous-mêmes, nous venons avec tout menu, nous venons avec tout ça qui est nécessaire pour permettre que acteurs SAO vraiment établir une relation. Monsieur Altema, bon, il faut répéter tout. Par exemple, là où est groupe croissance, où est économie, où est finance, là où est profit, où est développement technologique, là où est, par exemple, cabinet Franck-Lé Denis Julien, où est la loi. Expliquez-nous partenariat, ça qui existait, par exemple, en trois entités, ça que moi, si elle est là, peut-être que gagne l'autre encore. Et bon, mon petit précision sur vous, sur partenariat voilà. Surtout. Voilà, groupe croissance, c'est la stratégie. Groupe croissance, c'est le contenu. Groupe croissance, c'est les mêmes qui viennent avec c'est un projet de groupe croissance, j'avais expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que c'est groupe croissance qui travaille avec acteurs, qui travaille avec acteurs dans la société civile, dans l'État, dans le privé, autour de questions économiques et financières. C'est groupe croissance qui vient avec stratégie ça. Maintenant, Profit Development Consulting vient avec organisation. Ça veut dire que, et à partir de vision qui dégage, qui j'en connais pour nous mettre acteurs ensemble, qui j'en connais pour nous engager acteurs pour permettre que nous gagnions un sommet qui répond à l'objectif qui est fixé. Donc, ça, c'est Profit Development Consulting. Bien entendu, c'est pas seulement technologie, mais c'est plutôt organisation, c'est plutôt management. Voilà. Et en cabinet en Franck-Lé Julien, qui déjà sont organisations qui travaillent dans la diaspora, parce que nous avons un aspect très particulier que nous avons essayé de développer dans le cadre de ce message. C'est garder l'approche migration, le flot haïtien qui a quitté Haïti, je dis qu'il a rentré aux États-Unis, et qui gens ils sont capables de contribuer ou encore ils sont capables d'engager dans le développement économique. Parce qu'en plus là, ils sont venus, je ne connais pas parce que la situation est compliquée, mais là, ils ont migré aux États-Unis, bon bagage, bon réalité, capitaine. Donc, cabinet Franck-Lé Julien qui travaille dans le domaine immigration, comprennent ça bien et connaissent aux questions sécurité, questions relations avec des élus de la diaspora. Eh bien, c'est pour ça, nous trois, hein, ensemble, venir avec plateforme ça. Donc c'est une capacité son symbiose, c'est un pour moi-même c'est un bail qui est vraiment qui sont dynamiques qui créent pour nous garder dans toute dimension, pour nous garder sujet ça dans toute dimension. N'a pas signalé tout que et programme ça a fait que sommet ça a réalisé dans cadre 30 ans et groupe croissance que nous féliciter pour travail que l'a fait dans pays d'Haïti, groupe croissance tourne en référence dans pays d'Haïti. Mais dis-nous non, essayez de faire nous ouais, qui ça pral passer dans jou sa yo dans sommet ça, qui est-ce nous pral ouais, est-ce que gagne de grands noms dans question économie, dans question finance, dans question développement et autres. Et parlez-nous non, fais nous ouais et des acteurs qui pral présent dans occasion ça, en gros occasion d'ailleurs. D'abord, qu'il aimerait rappeler que sommet international de la finance a fait 6-7 avril la Miami Airport Convention Center de 9h du matin à 4h30 dans l'après-midi. Donc, c'est un sommet en présentiel. Ça veut dire que tout le monde qui est intéressé à participer à la sommet, la première chose que le fait, c'est aller sur www.floridasif2024.com pour l'enregistrer et à partir de là, pour y être capable de gagner accès pour participer à la conférence. Donc, nous sommes obligés à faire comme ça parce que, d'abord, ça permet que nous gagnions un meilleur contrôle de la quantité de monde qui a venu parce que la place est vraiment limitée. Donc, nous ne parlons pas de place, il faut nous dire ça. Donc, pour le monde qui est intéressé, c'est aller sur www.floridasif2024.com. Maintenant, qui genre déroulement est à pied? D'abord, il faut voir les groupes que nous identifions. Et je nous souhaite expliquer tout à l'heure, les parties prenantes, l'État, le privé et la société civile. Il y a deux groupes dans tout secteur. Bon, il faut mettre aussi
il faut ajouter les médias, parce que nous avons une très bonne couverture médiatique, et pour remercier Voix de l'Amérique, qui permettent que nous avons interview, ça je veux dire. Donc, nous, d'abord, identifier des acteurs en Haïti, dans le domaine éducation, dans le domaine santé, dans le domaine agriculture, et dans le domaine finance. Donc, groupe ça a sorti en Haïti et capable de faire des présentations. Donc, groupe qui est dans le domaine éducation, il a pas fait présentation yo, et kounia, nous ciblons tous des acteurs qui sont dans le domaine éducation dans la diaspora. Il faut me dire que c'est pas malgré ce qu'on a fait à Florida, mais il y a mon un pile côté qui est déjà inscrit, il y a mon Boston, il y a mon New York, il y a mon Canada qui a fait des déplacements pour venir participer avec nous. Donc, acteurs, par exemple, nous sommes expliqués, nous sommes dit à l'heure, tant que Fondation Digicel qui travaille dans le domaine éducation, tant que programme MBA de l'Université Notre-Dame, que M. Paul Latortue a dirigé, a venu faire des présentations qui pourraient permettre que les gens qui sont dans le secteur éducation, la diaspora, connaissent la réalité qui vient en Haïti et garder tout type de partenariat qui est capable de développer entre l'Université Notre-Dame et d'autres acteurs de la diaspora. C'est sûr que ce n'est pas un secteur par moi, mais une plateforme comme ça, à côté que gain de projet dans le domaine éducation qu'a vient présenter, moi crois que la est très bénéfique pour les deux parties. Nous gagnons tout le recteur de l'université qui est en Haïti qui a fait une présentation et ça on t'a dit c'est sur domaine éducation. Donc acteur en Haïti qui travaille, qui est en Haïti, qui gagne pied ou qui comprend la réalité, qui comprend contraintes, qui comprennent toutes opportunités, pour discuter avec des acteurs de la diaspora. Nous avons, par exemple, des projets qui ont rapport avec la santé, l'Université Notre-Dame, qui lui-même sont sociétés anonymes, qui ont présence dans le nord, dans le sud, mais qui cherchent tout de financement, qui cherchent tout de acteurs qui capables, des investisseurs qui sont capables d'intéresser à financer et souffler la santé en Haïti. Donc, il y a plein. Il y a un trésorier au Cap-là et il y a une discuter avec le monde qui est dans le secteur santé de la diaspora. Nous invitons des associations, nous invitons tous de professionnels qui sont dans le domaine santé. Donc, ce que je viens de faire, c'est croiser acteurs qui sont dans le domaine yo, en Haïti avec acteurs qui sont dans le domaine PAYO dans la diaspora. Nous avons, par exemple, tout d'autres projets qui sont dans le Nord. Et nous avons un projet péninsule que Alain Hall, avec toute l'équipe a dirigé, a venu présenter pour expliquer une vision, une stratégie pour un sud, pour un grand sud plus fort. Donc, il y a une présentation et là, là tout pour répondre aux questions à d'autres mondes, à deux mondes de la diaspora qui ont intérêt dans la question. Ça. Nous avons tout le groupe dans le Nord qui a venu faire des présentations. Nous avons une association, une fédération des chambres de commerce du Nord. Cap vient présenter. Nous avons deux sujets qui ont rapport tout avec finance. Et c'est sûr que tout le monde qui est dans la diaspora est capable de dire bon, écoutez, j'ai Haïti là, je ne peux pas parler d'investissement. Bon, je ne suis pas un spécialiste en finance, mais nous connaissons tout. Lorsque vous avez une contrainte, vous avez un pile d'opportunités. C'est pour ça que ces acteurs qui travaillent, que nous menons, particulièrement, viennent discuter avec la diaspora pour regarder qui sa réalité a, qui sa opportunité à présenter. Et regardez tout aspect migration, j'aime bien dire. Nous avons, selon le rapport, environ 4 millions de dollars de la diaspora qui est allée vers Haïti. Et une quantité là-dedans qui transitait vers la République dominicaine pour acheter qui ça, pour acheter de biens ou de services que la République dominicaine produit. Donc, si vous regardez la République dominicaine qui a moins de monde dans la diaspora américaine, ils voient plus comme que Haïtiens qui vivent. Aux États-Unis. Pour qui ça? Parce que y a gagné ou peut-être un pouvoir d'achat qui est plus élevé. Peut-être y a gagné de monde qui a fait plus comme aux États-Unis, qui voyait plus l'argent en République dominicaine. Donc c'est tout à bagage ça que nous allons regarder. Il faut dire aussi que nous avons gagné un panel sous sécurité et avec aussi des élus haïtiano-américains. Parce que nous ne pouvons pas quitter l'aspect sécurité en dehors de discussion. C'est pour ça que nous avons des acteurs, des élus haïtiano-américains qui peuvent parler avec des acteurs haïtiens pour garder ensemble, je veux dire, stratégiquement, définir de nouvelles approches qui peuvent permettre que réflexion aller à l'autre gens pour porter des réponses dans la question économique haïtienne à travers des investissements directs de la diaspora. Donc, je ne sais pas qu'on essaie de répondre à la question, mais oui. C'est, je veux dire, Haïti et sa diaspora pour une nouvelle approche.
nouvelle approche de collaboration. Monsieur Aldemar, vous notez bien que sommet ça a déroulé dans un moment que une crise à plusieurs dimensions qui dans le pays d'Haïti. Et on parle tout de une possibilité pour que, eh ben, que c'est après, on a pensé avec après crise là, qui j'en nous capable de ranger pays nous après que crise ça est fin passé. Et parlez-nous de suivi, là. Par exemple, sommet a déroulé après sommet. Est-ce qu'il y a un document qui côté n'a pas cheminé, qui j'en a fait le suivi pour que vraiment que sommet ça pas yon l'autre sommet, tant qu'on a un paquet de sommets qui fait et à travers le monde et même pour Haïti. Qui suivi que nous prenons à sommet ça? Effectivement, il y a un pile questionnement que mon gagne de sommet de conférence. Moi-même, il faut dire que moi, j'adore les conférences, j'adore les sommets. Pour qui ça? Parce que d'abord, ils permettent de découvrir des projets innovants, ils permettent de faire de relations avec le monde. Ça, je dis à niveau personnel. Et moi-même, Kabdjo, et moi, construit vraiment un réseau à partir de conférences de sommets. Donc, pour développement personnel. Mais en même temps, lorsque vous avez des institutions qui sont engagées dans des secteurs particuliers, il est bon tout pour que vous croisez avec des gens qui sont dans ce secteur. Ça, par exemple, je ne vais pas dire tout à l'heure, mais nous avons des gens, par exemple, qui ont présenté des projets sur l'énergie renouvelable, qui est très important pour un pays, tant pour Haïti. Donc, nous ne parlons pas de sommet, tant pour, je ne vais pas dire, il y a un autre sommet, mais plutôt un espace stratégique qui est capable de déboucher sur des décisions. Maintenant, pour qui ça nous aborde la question après crise? Lorsque vous crise dans n'importe quelle société, et acteur qui a un meilleur agenda, c'est lui-même qui toujours, mieux profiter de relèvement après crise. Et c'est pour ça que nous anticipons sous sa capacité là, parce que effectivement, bonne situation qui m'a dit en pile réflexion, mais il faut voir l'après crise. Et c'est pour ça que nous voulons engager acteurs pour que vous développez un agenda innovant qui permette que yo fait ça nous relève au relèvement après la crise. Maintenant, après sommet, hein, et c'est une barre que nous fait lorsque nous demandons yo monde qui a participé dans sommet, que ce soit à titre individuel ou comme organisation, yo rempli formulaire pour que yo toujours en contact avec organisateur sommet. Donc, c'est un engagement avant, pendant et après le sommet. Engagement avant, c'est information que nous avons véhiculée et c'est approche que nous dégager à partir de notre conceptuel, à partir de information qu'a véhiculée sur site internet, engagement que nous fait pour nous mener de acteurs stratégiques, des intervenants et pendant ce moment, ces discussions, ces échanges qui nous permettent que nous dégager synergie pour être capable de collaborer ensemble. Et le plus important, comme on dit, c'est après le sommet. Après le sommet, nous prenons un compte rendu parce que il y a des gens qui n'ont pas de capacité de venir dans le sommet, qui prennent intéressé à ce qui était dégagé comme information. Eh bien, nous prenons gagner un document qui pourrait permettre que au monde qui t'est participé et qui pas participé, qu'on ait qui s'est discuté et en même temps tout permettre, souvler de collaboration à partir de centres d'intérêt. Donc, au monde par exemple qui est intéressé à domaine éducation, eh bien nous parlons d'abord introduire, demander groupe ça, est-ce que vous êtes intéressé à discuter avec d'autres monde qui est dans le secteur éducation en Haïti par exemple. À partir de là, nous faisons introduction et nous même pour nous continuer discussion yo, en dehors du sommet. En plus de documents, de site internet qui parle alimenter, mais gain de relations directes que nous avons établies entre deux mondes qui sont dans des secteurs particuliers. Donc, ce sera après le sommet. Monsieur Jean-Marie Altemar, c'est ton plaisir pour nous te gagner. Et yon rappel de date sommet? Sommet international de la finance, Miami, Florida, Miami Airport Convention Center, 6-7 avril à partir de 9h du matin jusqu'à 4h. Et yon monde doit inscrire sur www.floridasif2024.com pour capable participer. Donc, c'est un plaisir pour me avec vous, Jacqueline, c'est un plaisir pour me avec le public tout et inviter tout le monde qui est intéressé à inscrire et soit en Floride, soit en Sud Floride, particulièrement à Miami, font coup de pied, venir rencontrer, venir discuter avec le monde et sous thématique que nous avons développé la sommet ça. J'aime parler à ta pour éducation, santé, agriculture, agribusiness et d'autres sujets qui d'importance capitale pour le développement économique d'Haïti. Merci Jean-Marie Altemar, c'est Executive Manager et Profit Development Consulting qui lui-même a
politique côté que n'a pour nous rentrer dans ça que la démocratie ou ensemble donner le grand pouvoir ici en Haïti. Ben je dis à c'est CARICOM qui a corrigé car nous c'est CARICOM qui a corrigé devant nous. Est-ce que Benel là? Non, Benel pas là, mais Benel pour consensus. Deux, là nous prenons question, là on a parlé des questions de la Cour de cassation, mais nous tous connaissons que cassation faut qu'on d'accord effectivement cassation l'était existé dans la constitution 87 non amendée 29 mars 1987 là là-dedans. Mais article li clair, article 149 de la constitution li dit président ça li là pour vin compléter un mandat présidentiel, li réputé pour compléter un mandat présidentiel. Est-ce que je dis à nous gon élection peut-être nous gon président qui était vin tomber ça nous le manque de capacité soit qui mourir ou qui assassiné ou qui malade qui pas qu'à continuer. Est-ce que je dis à nous gon ça là? Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas de vide, nous n'avons pas de vacances, nous n'avons pas de vide institutionnel, nous n'avons pas de vacances présidentielles. Ça fait un grand ensemble de nègres qui ont fait rôle dans la radio, partout, qui ont fait un qui dit que c'est avocat. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vacances présidentielles. Nous n'avons pas de vide. Parce que nous n'avons pas de national, nous n'avons pas de vide au niveau institution. Nous n'avons pas de vacances, c'est là que les gens qui étaient là, grand élection peut faire. Les gens qui étaient là, après deux ans, après trois ans, pas qu'à continuer encore. Restant qui viennent retirer ça. Ou après, mounan qui pour vin combler vide là. Il vin combler le côté qu'il vin compléter mandat. C'est sa constitution a dit. Et je veux dire à tout le monde qu'on est, à partir de 11 mai, vous connaissez 11 mai 2011, nous rentrons dans ça que nous délire l'amendement constitution 1987. À partir de si vous nous avons vu les vacances présidentielles là, toujours article 149 là, dans la constitution ça, en direction 1946, amendé à lui-même, il dit à partir de premier jusqu'à troisième année, c'est conseil d'administration sous l'égide premier ministre qui peut diriger, qui peut ériger pour être capable de conduire le pays à non-élection pour combler vide ça. Deux, à partir de quatrième à cinquième année, c'est parlement qui a réuni en assemblée nationale. Mm-hmm. Je dis, toute phase, yon nèg vini pou l'dou ke se avocat li douke pou nou rete pi près la loi. Est-ce que yon kote ke konstitution di pou nou rete pi près la loi? Est-ce que la loi non pi près avè ou bien se la loi m'dou aplike? La loi pa nan sa avou. La loi pa nan sa avou. La loi pa nan sa avou. Pi près ou pa pi près. Se soit mwen la loi ou bien pas la loi. Parce que nous pa kèk moun kap di oui, pou nou rete la présentation, n'a rete pi proche. Constitution. Est-ce que vous avez un article dans la Constitution qui dit que vous avez plus proche? Constitution, il te dit, non, ça ne peut pas brûler. Non, amende à l'idée de cassation à l'avenir, mais qui est l'avenir? Non, ça commande à l'idée, parlement ou bien conseil de mise à venir, mais qui est l'avenir? Mais il faut que nous tous d'accord, même l'autre a dit, tout l'autre sort dit, yo, tout ça, vous avez dit là, même dans la Constitution de cassation, ou bien le parlement, il était capable de faire après l'assassinat de Jovenel. Après l'assassinat de Jovenel, il était d'accord. Le monde qui était dit, mandat Jovenel, il a fini le 7 février 2022, il était capable de dire, il a comblé le vide blanc, il a fini le reste mandat, après le reste mandat a fini, le sort est carré. Mais je dis à nous, pas de vacances présidentielles. Et on est d'accord sur ça? Madame, monsieur, on est d'accord sur vacances. Oui, comment avancer? Et dans les deux, c'est moi qui dois avancer parce que je vais te regarder qui sont carrés comme regarder les cours de cassation. Et qu'on a un qui dans l'approche et trois membres là-dedans, qui Philippe là-dedans. Vous appréciez ça, vous comprenez ce sur ça? Vous pouvez avancer sur ça, disons. Écoutez, nous sommes tous ça déjà. Moi, j'ai un consensus. Et je viens d'accord que son cours qui vient pour parler national. Pour moi, c'est le monde qui vit avant. C'est le monde qui vit avant, c'est le cap bien. Moun qui s'allait avant il gagne. Parce que je veux dire, nous pas qu'à s'aguer là, nous pas qu'à appliquer la constitution pour lui. Eh bien, dans le cas, dans le cas, si son cours lié, les actes amis ont gagné un cours, ça tout parce que même tu visent à l'international. Est-ce que tu es prêt avant? Moi-même, si je suis moi, politique, moi, je suis installé déjà. Ok. Je vais vous dire ça. Oui. Très bien. Pour qu'on y a, est-ce qu'on peut arriver à comprendre que ce qu'on s'est parlé, il n'y a pas existé dans une approche qui a été faite là, quel était CARICOM, quel était pétition que messieurs, dames, qui étaient dans le réveil à te proposer, quel était le monde qui est allé directement dans Wanamé, qui était en train de parler, c'était un truc qui proposait.
une série de documents qui allaient pour proposer sortie des prix. Ou du pas ou pas dans coup de cassation parce que c'est non constitution pour nier. Nous pas dans la question proche. Parce que dans la constitution elle pas ni proche, elle pas dit à côté constitution. Mais en plus monde regarder question légitimité populaire, demande qui gagne dans la rue, sur radio, à travers les réseaux sociaux qui allaient dans ça qui est pour avec le conseil présidentiel avec trois membres qui gagne Philippe là-dedans là. Pour même bagarre ça n'est pas décision, ça prend décision et consensuel. On dit ça déjà. C'est moi ce qui est dans X ou bien pas dans Z, pas dans V et pas là. C'est comme ça que c'est notre course premier. Moi pas dans cassation, moi juste pour appeler juridique sur question cassation, sous ça la loi dit. Sous ça, tu peux parler. Mais si je dis, c'est cassation, puis une conscience, c'est ça autour de lui. Mais qui ça, nous doit faire? Nous doit dégager pour chercher l'autre monde, pour dégager conscience, ce qu'il a besoin. C'est ça, demander pour nous faire. Mais pas une imposer au monde, bagarre pour dire que c'est lui-même qui peut proche la loi. Ça va exister. C'est là, mieux. Je veux dire, si c'est conseil trois têtes là, qui est capable de une conscience, c'est ça fait autour de lui, qu'elle est installée. Si c'est cette tête là quand je conscience c'est ça fait autour de lui qu'elle installé mais ça pas empêcher moi même comme acteur politique moi même comme jeune garçon comme université me pas lecture pam que pour me faire de chaque dossier parce que chaque force mais une faiblesse okay. Mais si une faiblesse c'est normal pour me lecture pam que pour me faire de lui pour me approche pam pour me faire de lui parce que monde qui veut dire pour y aller dans cassation yo yo veut imposer cassation c'est comme quoi que cassation c'est légal. Même dit nous capable aller nous approche consensuel sous question cassation hein, si c'est lui même qui joue plus consensus qui fait autour de lui mais si c'est sous question de la loi pas de rien pour avec la loi en question cassation hein. C'est ça quand même plus pesé sous question cassation parce que vous nous voulez imposer sous cassation comme illégal pas de rien qui fait là qui illégal ça fait nous moi même si me dégue moi politique moi d'être salé comme président très bien acteur qui a pouvoir acteur proche pouvoir acteur en dehors pouvoir. Yo chaque yap pote bourré, yo pralé dans direction, quand le pays a li totalement a fin crasé dans tout compartiment, l'école pa y panye, bibliothèque pa y panye, l'hôpital pa y panye. L'hôpital pa y panye, et vin ge problème grand gros côté moun ap koui ki te divers côté, ouais, ensemble des mondes qui a fait la yo, fok moun ki nan niveau capital la, soit quitte capital la pour aller dans ville pour des provinces, qui déjà gen problème pa yo déjà. Ou même DJ Benel, Cap Gade, qui c'est acteur politique, qui c'est haïtien, qui c'est intellectuel, tout, Cap Gade, est-ce que une fois, vous devez comprendre que le pays a fait face avec une situation comme ça, pour le sortir là-dedans, qui s'est appliqué, ou bien s'il va arriver en Haïti, il dérive en côté, ou bon étude, ou bon idée approfondie que vous avez proposé pour nous sortir dans sa nia là, qui s'est le cahier, et comment vous avez bataille qu'elle a examio a fait dans niveau capital là li haïtien ou bien li international là écoutez arrangement parce que moi-même moi j'ai 37 ans beaucoup vivre ça là c'est pour la première fois que m'a vivre c'est ça que je toujours dit que on sort pas maintenant les gars pile chance parce que nous vivons toute bagaille net pas grand rien qui ne va vivre. Et c'est une raison qui fait que il y a ensemble des jeunes garçons qui dans génération pas maintenant ensemble des jeunes garçons jeunes femmes qui dans génération ça si on pas pour bail payer un coup de main on t'a droit bail payer un bon coup de main parce que nous censé vivre toute bagaille dans le pays et là parle des animaux qui lagué partout et dans quatre coins pays là et cap andi cap assassiner monde cap violer monde cap mettre du feu dans tout ça moun gen en dans pays là et bon ça yo li clair faut que nous d'accord que situation que nous